quel que soit le profil de votre entreprise, de votre activité, si vous êtes un industriel, vous avez tous en commun deux problématiques. À un moment ou un autre, vous avez besoin de collecter, copier-coller, ressaisir des données de votre production, de vos activités pour tenir à jour vos tableaux de bord, pour avoir une vision de vos opérations. Et en même temps, vous vous dites, mais si je pouvais intégrer directement des informations qui viendraient de capteurs, d'automates, de mes autres systèmes? Mais vous voulez une solution simple, économique et qui ne soit pas qu'un gadget. Alors c'est précisément pour répondre à ce besoin que nous avons créé le What is What. C'est une plateforme d'interaction et d'aide au pilotage qui va collecter, agréger, analyser de manière très flexible toutes ces informations. Avec le What is What, vous savez quoi et quoi. What is what? Quelle est cette machine? Quelle est sa performance? Que fait-elle? Quels sont ses coûts de fonctionnement? Et toutes ces informations, données brutes ou informations élaborées, consolidées, sont présentées dans une interface extrêmement ergonomique sous forme d'aide au pilotage adaptée à votre métier et à votre profil. Alerte, tableau de bord, proposition d'optimisation, rapport automatique. Avec le What is What, vous n'avez donc plus un ERP ici, une GMAO là, des équipements là-bas qui travaillent un peu dans leur coin. Non, vous avez des équipes, des systèmes, des équipements qui interagissent ensemble et qui collaborent sur une plateforme unique pour vous aider à avoir une vision complète, fiable, temps réel de vos activités. Alors pour conclure, quelques cas d'usage tirés de nos clients. Par exemple, le passage d'une maintenance classique à une maintenance connectée, puis une maintenance prédictive, du reporting automatique, de la supervision plus, ou encore des portails pour communiquer avec ses clients. Dans tous les cas, avec le What is What, vous gagnez du temps, vous fiabilisez vos process et vous simplifiez réellement le travail de vos équipes.